faut que je fasse le ménage de la lutte amateur au Québec. Ben ouais, il y a des tas de bénévoles en plus de ça ici au Québec, hein? Et des fédérations à but non lucratif. Hey, les gars, c'est pas drôle, c'est la réalité au Québec. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais j'ai une affaire à vous dire pour vous autres le 6 avril. Jason Reaper. Tu vois-tu que c'est de te à toi, ici? J'espère que tu commences à avoir peur. Parce que tu devrais avoir peur parce que tu n'auras pas facile le 6 avril. Pis toi, Jason Descoteaux, j'ai des nouvelles pour toi. Avant que tu ouvres ta grosse chaîne, tu dis que tu vas empêcher les Insignalés, Insignalés du chapitre du Québec, rentrer dans la salle, ici, le 6 avril à Windsor. Oublie pas, Jason le terrible, il y a peut-être un troisième personnage, on sait même pas lui-même que s'il va apparaître une journée pour faire de la lutte, c'est au Québec. Le monde dans la lutte au Québec, il y a des lutteurs de 140 livres, de 160 livres, il y a mange trois pour déjeuner. Les justiciers, il est 2 pouces plus large que vous autres, 100 livres de plus que toi, gros Dave. Bien, gang, on fait une tonne et demie. Le 6 avril à Windsor, qu'il y ait de l'or, que vous soyez dehors, il fera pas beau dans la lutte amateur au Québec.